Alors les gars, j'ai une excitation de malade. Oya Burn est en train de se mettre en place. Bientôt, il y aura des ventes de NFT. Quand je dis bientôt, c'est dans quelques jours. Je vous explique tout dans cette vidéo. Ce projet extraordinaire est sur le point d'être lancé. Moi, je vous avais dit que ça se mettait en place. Je vous avais dit que les choses arrivaient. D'autres se plaignaient que non. Depuis que je me dis que ça arrive, c'est où? Vous avez vu, j'avais parfaitement raison. Et j'aurais aussi raison pour le succès de ce projet-ci. Des ventes privées vont se faire dans quelques jours où vous aurez la possibilité d'acquérir des NFT à vil prix quasiment. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Construit ensemble, c'est le mot d'ordre d'Oya Burn. Dans l'article que je vais laisser en dessous de cette vidéo-ci, vous aurez vraiment le guide complet pour participer aux préventes et aux private sale, ok? Donc vous pourrez rejoindre cet article là, le lire en détail. On va le lire ensemble ici déjà pour vous expliquer tous les incompréhensions, et vous pourrez quand même aller en dessous de cette vidéo aussi, cliquer et lire l'article vous-même pour avoir toutes les informations. Donc l'objectif d'Oya Burn est de réunir des passionnés de gaming, de play to earn et de move to earn. Depuis quelques semaines, il y a des échanges et on est en train de construire la communauté. Alors je vais sauter quelques parties quand même. Qui nous a supporté a montré la détermination à participer à ce projet. Le projet est révolutionnaire, donc ce n'est que normal. Ce qui nous a poussé à multiplier les actions qui donnent accès à un whitelist aux membres, ok? Donc c'est pourquoi ils vont faire bénéficier ces gens qui ont participé, qui ont fait la promotion, qui ont aimé, qui ont installé, bref, ceux qui sont intéressés par Oya Burn. Donc l'objectif c'est donc de profiter d'acheter des NFT et de faire profiter de la version bêta de l'application. Donc, quelques semaines avant la sortie au public. Et vous savez, en général, bon, certes, c'est un comportement que moi je ne recommande pas, parce qu'en général, ça enlève l'objectif principal du jeu. Ce comportement de vouloir juste faire des bénéfices. Mais c'est aussi un fait. Si vous achetez un NFT assez tôt, ce qui se passe en général, c'est que quand il y a une sortie publique, le NFT prend de la valeur et vous pouvez le revendre. Moi, je ne recommande pas ça. Je ne recommande pas ça. Mais je tiens quand même à le préciser parce que ça pourra intéresser certaines personnes, et l'équipe, je crois, l'équipe est consciente que il y a ce fait là, donc ça ne manque pas. En plus de pouvoir acheter des NFT moins chers, vous aurez la possibilité de stacker vos NFT et d'avoir le token de gouvernance du jeu, le BURN. Donc en plus de garder vos tokens, d'acheter des NFT vraiment à prix cassé, vous allez gagner chaque fois au fil du temps avant qu'on ne lance l'application des tokens BURN. Et ces tokens là, vous pouvez effectivement revendre ça lorsqu'on lance l'application ou les garder avec vous, attendre que ça prenne encore plus de valeur. Donc vous voyez que vous serez vraiment gagnant avec cette private sale là. Donc maintenant on dit, en outre de la proposition de l'acquisition NFT à des conditions exclusives, il y a 2 millions de tokens comme je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, parce que nous souhaitons nous appuyer sur un socle solide, il y aura 2084 NFT pour cette première release. Donc 2084 NFT, ça garantit que il y a un nombre limité, donc ça veut dire que le prix ne va pas chuter n'importe comment. Il n'y aura pas une inflation trop grande parce que le nombre de NFT est vraiment réduit, ce qui est super important. Donc, introduction à cet article, c'est pour vous accompagner. Le processus se déroulera du 06 au 08. Donc, entre le 06 au 08 que vous pourrez faire les achats de la private sale. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Discord. Je laisse le lien du Discord en dessous de cette vidéo aussi. Alors, il y a une partie assez technique, je ne vais pas la faire dans cette vidéo aussi. Vous allez retrouver plus haut une vidéo épinglée où vous allez pouvoir suivre cette partie technique là pour créer votre wallet MetaMask, pour créer, ajouter Polygon sur MetaMask et tout ce qui suit pour la partie complètement technique. Alors, les étapes à suivre pour pouvoir effectuer le tirage, pour pouvoir effectuer la private sale. Alors, c'est ici qu'il faut être vraiment très attentif. Donc, le premier élément qu'il faut faire, c'est de se rendre sur le site de Oya Burn. Alors, j'ai déjà une vidéo qui explique bien comment participer, accéder à la whitelist. Donc, vous mettez juste votre email et vous pourrez être sélectionné au tirage au sort pour être whitelisté. Donc, c'est-à-dire whitelisté, c'est ça qui vous permettra le jour J de faire l'achat sur la plateforme. Donc, on dit, c'est l'adresse email sur laquelle le gagnant ou la gagnante reçoit la confirmation qu'il est bien whitelisté, qui lui permettra d'accéder à la plateforme. Donc, si vous êtes choisi, vous pourrez le jour J venir sur la plateforme, vous connecter avec votre adresse whitelist. La plateforme sera ouverte du 6 juillet à 18h UTC plus 2, ok? En fonction de votre pays, vous allez voir à quelle heure vous devez être connecté, jusqu'au 8 juillet à 18h. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Lorsque vous avez mis en place la partie technique avec votre wallet MetaMask, que je laisse la vidéo plus haut, vous allez tout simplement venir là, ok?
vous connecter au niveau de la plateforme le 6 juillet aux environs de 18h. Bref, vous aurez 2 jours environ, donc du 6 au 8, c'est environ 2 jours où vous aurez donc le temps de faire les achats de votre NFT. Mais vous n'êtes pas sûr aussi dans tous les cas de pouvoir acheter un NFT parce que vous savez, il y aura beaucoup de gens et tout. Donc, plus vite vous serez là, plus vite vous aurez la possibilité d'acheter des NFT. Mais vous aurez un maximum de 3 NFT, pas plus. Donc, c'est aussi pour éviter que des gens ne prennent les 1000 NFT et tout parce qu'on sait qu'il y a des gens forts ici dehors. Donc, on dit maintenant, pour le stacking des NFT, vous serez récompensé à la fin de la période de stacking et vous recevrez en contrepartie des burns, ok? Donc, on dit pour recevoir ces rewards en stacking, vous devrez stacker son ou ses NFT jusqu'au jour de la sortie de la version bêta. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous achetez les NFT, vous les stackez, vous ne les touchez pas et vous aurez vos récompenses jusqu'au jour de la sortie de la version bêta. Moi, je trouve ce système-là très intelligent. Ça permet déjà de générer de l'argent même avant que l'application ne soit sortie. Donc, vous avez vraiment toutes les cartes entre vos mains. Laissez-nous un commentaire si vous n'avez pas bien compris un élément et on pourra revenir dessus. Maintenant, je vous donne rendez-vous au 6 juillet. On va faire un live où ensemble, on pourra faire l'achat des NFT. Donc, il y a plusieurs autres éléments qui seraient importants peut-être de préciser aussi. C'est que les rewards en fonction du nombre de NFT que vous avez acheté, c'est 6 burns par jour si vous avez un NFT, 12 burns par jour si vous avez 2 NFT, 25 burns par jour si vous avez 3 NFT. Et pour, si vous avez plus de NFT, c'est 4 burns par jour. Donc, ça aussi, c'est pour dire que ceux qui vont acheter plus de NFT, ils n'auront pas forcément plus de burns. Donc, vous avez les prix des NFT ici. Un NFT à $150, 2 NFT à $250, 3 NFT à $300. Moi, je vais prendre 3 NFT, moi, je vous le dis direct. Mais vous savez, c'est toujours de la finance, il faut toujours faire attention. Moi, le projet, pour vous dire vraiment, hypé énormément. Donc, j'ai beaucoup d'enthousiasme à parler de ça. Mais vous, faites très attention et faites vos propres recherches avant d'investir le moindre centime. Et comme on le dit toujours sur cette chaîne, vous allez répondre à votre argent, vous êtes responsable de votre investissement. Moi, j'avais l'information à vous communiquer, vous l'avez désormais. À vous de savoir comment l'utiliser pour avoir le maximum d'argent. Et vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.